Bonjour tout le monde, on continue Until Dawn. On reprend. Ah oui, donc là on était parti effectivement avec Emily pour aller récupérer ses affaires. Et là, deux doigts en moins. Allez. Et là, on n'avait pas de torche, on n'avait rien du tout, hein. Alors non, 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 non. J'ai dû zapper quelque chose là. Pourquoi est-ce qu'ils étaient focalisés ici? Non, pas grand-chose, en fait. Nous y sommes, madame. Oh, merci, monsieur. Déjà, on va aller voir s'il n'y a pas un totem par ici. Donc, essayer de repérer la bête. Bien regarder quand même, hein. Faut bien. On va surveiller tout ça, hein, de près. Non, 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 bon, je vois rien. Ah, rien du tout. Allez, on continue. Hey, Mi? Ouais. Tu devrais peut-être te détendre. Non, 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 bah. Elle est tranquille. Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end maintenant. Allez. On efface tout. Oh? Pas de dispute, ni de Mike ou de Jess, juste toi et moi qui profitons ensemble de la nature. Oh, genre au naturel? Exactement. Ça me plaît bien. Allez, allez, pousse-toi là. Alors, en face, c'est la solution. Ouais, c'est ça, et je l'aurais bien suivi exactement. Hé, petite tête, viens par là. Draguer, un coin plus intime. T'essayes de nous trouver un coin plus intime? Bah, viens voir par toi-même. Attends, j'aimerais quand même voir ça. C'est bizarre. Ah oui, c'est fermé. Pas de totem par là, on peut pas passer, ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça va, je suis revenu. C'est bien. Alors, obéis. Matt. Ouais? Merci de m'aider pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. No problemo, bébé. Mais rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril. Tu comptes me le prouver? Toute la journée. Oh, quoi? Toute la journée. Attends, ça veut dire quoi? Bah, toute la journée. J'essayais juste d'être sexy. Je
Pas certain que ça soit normal, ça. Oh, on a ce perdu paysage les couleurs. Magnifique. Wow. Ouais. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur Muscle. Ah, oh, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ces muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur? À l'extérieur de quoi? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici? Attends, on va faire une petite pause là. Est-ce que ça se réitère surtout ou c'est... Non, c'est la scène. Caca là. Hein. Tu sais quoi? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis quoi, oh, tu veux parler du putain, coin. Putain, mais c'est dingue. J'ai... Il y a plein d'autres endroits. Pas autant de bugs avant quand même. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Comme un gentleman. Allez, viens, on va chercher. On va avancer pour voir si c'est pas le... cette scène-là qui fait ça. Y'a quoi de si important dans ce sac? Oh, c'est juste mes culottes. Celles en dentelle. Allez, hop. Quoi? Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'on recherchait un trésor si précieux? Allez, c'est parti, c'est parti! Ah, je savais pas que c'était si important pour toi. Tu savais pas? Allô? À ton avis, pourquoi tu crois que je suis ici? Ok, maintenant. Bon, je vous rassure, on va pas faire le tout le jeu comme ça. Hein. Mais là, vraiment, je. C'est noté. Un scoop. C'est marrant quand même, hein, comment ça. Les couleurs ont pété. Je vais partir sur la droite. Il faudrait juste qu'il y ait une cinématique en fait, tout simplement pour voir si ça va se rétablir. J'ai un peu la bouche de ce truc. Pas capable de mettre ta main dedans. Vaudrait mieux la mettre juste ici. Ah voilà. Merde. Amy. Bien joué. Trop facile. Ça, trop facile. Oh, ça va. C'était quoi? Je sais pas, sûrement une bête. J'aime pas ça. Bon, du coup, est-ce qu'il y a quand même pas un totem? Parce que l'autre a rigolé avec ça, mais... Pas un totem par là, là? Alors, oui, Z, re. Alors là, Z, on est parti sur Until Dawn, hein, tu vois, finalement, rien de ce que j'avais dit. Et en plus, le jeu, il a perdu de ses couleurs. J'ai un petit bug, je suis en train de subir un petit bug Merci. D'affichage. Ben, très impressionnant. Donc j'attends d'avoir une cinématique pour voir si, si ça se rétablit, sinon je vais être obligé de relancer le jeu. Mais je voudrais sauvegarder avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Parce que normalement, ce ne sont pas les couleurs d'origine. Tu vois bien, ça fait un peu chromatique. Donc, ce qui est totalement dégueulasse. Mais ça a sauté comme ça, hein, direct, hein, je sais pas. Bah, mais bon, c'est quand même ce que je disais. C'est quand même dingue qu'il y ait autant de bugs. Hein. Franchement. Il était pas là avant. C'est un mot. Wow. Bon retour. Z.
ça doit être Chris. Mais bon, voilà, là c'est vraiment pas les couleurs d'origine. Hein. On n'est pas en mode funky. C'est pas très cool, les gars. On est en mode ça va cramer, je pense surtout. Pas ça du tout. Moi non plus. Je crois que j'ai l'AMD qui est en train de. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en forme. Putain, qui a pu faire ça? Vous savez, j'en ai plus grand chose à foutre de mes culottes là tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Ouais, bah ouais. Ouais, exact. Bah ouais, de toute façon, c'est une exclu PS4. Hein. Je peux pas l'avoir sur. Parce que là, tu vois, là, les couleurs sont nickel. Donc je pense que c'est la scène, en fait, qui a foiré. Hein. Ah, c'est marrant, c'est toujours un petit bugounet, hein. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'échec et de l'opinion des autres à leur sujet. Vous aussi, ça vous effraie? Non. Par contre, elle est belle, ça. Non, pas du tout. Elle est belle, sa tarentule, là. Une belle bête. Donc, que pensez-vous des gens qui ont peur de ces choses? Non, je les plains. Je vois. Parce que ça doit pas être facile. Chris a peur de l'échec. Avez-vous pitié de lui? Non. Ah non, j'aurais pitié de lui. Effectivement. C'est ce qui ressort de vos choix. Grand questionnement. Je sais plus si tu connais, hein, Tilden. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? Moi, je pense plus la franchise, en fait. Donc, vous dites toujours la vérité, même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise? Et de la charité. Non, la franchise. La charité, c'est surfait, d'après vous. Mieux vaut rester fidèle à soi-même plutôt qu'aider les gens dans le besoin, c'est ça? Mais une fois encore, la session touche à sa fin. Pas du tout ce que je disais. Nous en reparlerons bientôt. Bon, alors comment ça va se passer là? Faut que je redémarre ou pas? C'était juste une blague, Anna! C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles. Anna pas le passer, et Beth Washington. Et je sais à quel point Anna et Beth seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici. Pour leur rendre parce que là, les couleurs, elles ont pas. Ah oui, c'est vrai, c'était toi qui avais fait Rush of Blood, quelqu'un exact. Quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum! L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais. Ouais, d'accord. T'as entendu? Ah, mais du coup, t'as le. Bordel, qu'est-ce que tu portes? T'as le. Mince. Vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. Bah, tu vas affronter le pingouin, toi. Si c'est ça que tu veux. Je crois que c'est dans celui-là ou t'es sur un lac. Jess? Faut exploiter. Enfin, faut aller à droite et gauche, là. Ah, bah voilà, les couleurs sont revenues. Pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions. Ouais, j'aime bien ce petit chapitre en plus avec le Ouija. Sublimement. Chacun de vos désirs aux lubies de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayez. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui? Allez, on va le faire sérieusement. Ok. Oui, je l'ai fini 5-6 fois aussi. Esprit, es-tu là? Et ce jeu-là. Te présenteras-tu? Dans le jeu, en fait, faut. Si tu es là. Faut. Trouver des totems.
Et il m'en reste que un à trouver. Attends une Alors, minute. Pas sur cette partie-là, parce que j'ai pas refait un transfert de sauvegarde, en fait. Ah. Qu'est-ce que c'est je joue pas Attends, que... Mais comment c'est possible? C'est toi qui le bouges? Là, je joue pas jure, ma... en train de avec la pro, en fait. Putain, je suis avec merde. Une PS4 normale. À l'aide? Donc j'ai pas fait un transfert de sauvegarde. Comment on est censé aider? J'en sais rien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache qui c'est. Mais si il on me reste aider. Que un totem à trouver, que j'ai toujours pas trouvé. Attends, où c'est que je peux le voir normalement? Donc, quand je fais ça, regarde, c'est ça, en fait, ici. J'aurais dû faire. Voilà, ici, là. Voilà. Et là, normalement, sur ma sauvegarde, pas celle-là, mais celle que j'ai, je les ai tous sauf un, lui. Ouais. Et je les ai tous, ça, ouais, ce jeu, je l'ai torché, retorché. Il est génial, moi, j'adore. Et donc, j'attends le prochain qui vont sortir. Comment vous pouvez... okay. Truc of Medan, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça va être la suite justement du studio. Ça bouge encore. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Ça bouge vite. Attends. Super massif. Merde. Oh, c'est pas vrai. Attention. Je pense que nous devons vraiment trouver qui essaie de communiquer avec nous. Alors, qui es-tu? On peut pas t'aider si tu nous dis pas qui t'es. Peux-tu nous dire qui tu es? Oh. Ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur? La sœur de qui? Oh, arrête, t'es sérieux? La ferme. Demande-lui la sœur de qui? Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Ashley, demande-lui qui elle est. Alors, Anna... À qui parlons-nous? Anna? C'est toi? Oh bon sang! C'est n'importe quoi. Josh? Tu... Ça va. T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hé, hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va... peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Josh? Je peux gérer. Ok. Laisse-moi réfléchir. Alors, hop. Anna, tu nous manques. Et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? R A H. Oh oh. J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça continue. Oh merde. T U E E. Tués. Oh non. Tués. On les a pas tués. C'était juste une farce. H, du calme, hein, ok? Il faut qu'on en sache plus. Je suis désolée. Tellement désolée. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Alors, hop, comment t'es morte? Ok. Ok. Comment es-tu morte? Anna, qu'est-ce qui s'est passé? B. I. B. Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B. R. E. En tout cas, il y avait un beau fantôme derrière. Il y a une dans la bibliothèque. Oh merde, Chris. Tu sais quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas. Et ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que si, en fait, c'est je un. Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer. C'est le principe du côté film c'est en fait. Cool. QTE film, mais ça c'est j'adore. Toi qui voulais utiliser le plateau de quand les jeux sont vraiment bien faits, tu vois, c'est tellement plaisant. Putain, vous êtes trop lourd. Et celui-là, malgré que ça soit répétitif, que ça soit. C'est tellement prenant. Laisse-lui juste un peu de temps. L'atmosphère, l'immersion. C'était dingue. J'adore. La flèche était à toute allure sur la table. Si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien pris. J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Ah oui, c'est vrai que lui, il était avec... Jess,
que là, faut bien fouiller. Terry, lumière de ma vie. Parce que des fois, ils les ont bien cachés, hein, les totems, hein, franchement. Jess, où t'es passé? Ah oui, là, il y a le masque. C'est vraiment pas drôle. Jess? Jess, t'es là-dedans? Wow! Je tends ce truc. Qu'est-ce que ça fout là en plus? Attends, faut regarder. Jessica. Oh, allez. Là, t'en es où la Z là? Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois. Oh, bordel! Non! C'était trop drôle! Mais non! Attends, attends, attends! Faut que tu vois ça! Je veux rien non, voir! Non, Mike! Non, non! Quoi? T'as filmé ça? Oh, regarde ta tronche! J'avais peur, Jess! Tu peux pas sauter comme ça sur moi! On est au beau milieu des bois. Ouais. C'est super flippant! Ah oui, il est relou! Si t'envoies ça à quelqu'un. Tu quoi? Je vais te... Parce que faut le faire venir dans des pièges. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon. Ah, c'est comme ça. Ouais, va falloir que t'essaies encore. Ah, un défi, hein? Alors accroche-toi bien, car tu es sur le point de ressentir toute l'ampleur de mon exceptionnel talent. Alors, le totem... De toute façon, elle va pas y échapper. Elle va morfler. Waouh! Cet endroit est une véritable merveille en Égypte. Ça. Parce que je crois que je l'ai jamais sauvé. Hein. On peut pas. Hein. Je peux. J'ai eu beau le faire, refaire et faire faire. Dans la cabane, de toute façon. Il me semble que les deux scènes que j'ai vues en modification, c'est quand ils étaient sur le point de faire quéquette sur le canapé, et puis du coup, elle est en soutien-gorge, enfin, en soutif. Et une autre scène, non. Mais sinon, un écureuil, ou... elle est obligée de la faire tuer. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai jamais réussi à la conserver. Quoi? T'as entendu? Non? Oui. Y a quelqu'un? Ça c'est toujours le délire quoi, t'as entendu? Et les mecs ils parlent pour savoir s'il y a du monde quoi. C'est... T'as besoin de juste regarder quelque chose. D'accord. Oh, c'est un élan, ça va, ça fait pas peur. Panique. Moi, je sais plus où. C'est encore loin de la cabane. Non, c'est là. Pardon. On arrive. C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Michael. Quoi? Le gîte. Ah bah romantique à souhait. Ouais. Bon, c'était pas celle-là encore. Alors, masque atomique, vieux masque. Ok. Allez, on est frais. Ah, oh, bordel!
Arrête. Ah bah là, elle est obligée d'enlever le pantalon. Hein. Arrête de te moquer de moi maintenant. La revanche est à moi. Oh ouais. Non, non, ce n'est pas juste. Il faut être fair play, très cher. Je t'ai juste fait peur. Je t'ai pas trompé. Hé, hey, je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour te réchauffer. Alors comment ça le coquin. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Bon, du coup, je vais y retourner parce que je suis pas sûr d'avoir tout pris là. Masque. Ah bah si. Ah bah si. Ah, je sais que Freeze il est galère, hein, franchement. C'est un des plus durs d'ailleurs dans le jeu. Gavé. C'est quoi ça? Je suis pas sûr. Bah, c'est un renne qui s'est fait becter. Voilà. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Tuer le cerf. Ah. Ok, mon vieux. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire ouais. Ça vite et bien, vois. D'accord. Oh, non, 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 non. Ok, ok. Oh, bon sang. Comment je... Je peux pas regarder ça. Ok, 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 ok. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bordel, c'est venu, c'est... Ah, ah, tu m'étonnes que tu seras en panique. J'en sais rien. Il y a un pont là-bas. Regarde, Mike. Amène-toi vite. Ça doit être un ours. Regarde. Allez, raccourci dangereux. Allez, on doit foncer. C'est ce que je fais. Seul, prends la clé et ouvre-la. Voilà. C'est pas passé loin. Non. Quoi? C'est surtout quand tu vois les créatures, tu te dis mais à tout moment ils auraient pu les bouffer quoi. Tout le temps. Conneries. Non, sérieusement, à fond, 110%. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te le promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Ah, typique. Oh. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, ouais pas mal quand même. C'est un plein courant d'air, hein. Eh bien, il y a une cheminée. Ouais. On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme, devant un bon feu, et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Mmh, ça deviendra bien assez chaud, lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike, ouais. Le feu et la lueur des flammes. Ouais. Ma lady.
Voilà pour le problème de la lumière. Ok. Et après, on va aller chercher des allumettes. Le bois est prêt. Manque plus qu'une allumette. Oh, attends. Mike ? Quoi ? Oh, merde ! Quoi ? Putain, il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu ! Je l'ai perdu, ok ? Jess, attends. De quoi tu parles ? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas ? Merde, non ! Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un ? J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. En plus, ils font pas du tout teenager quand même. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. Mes parents me tueraient et tout, tu les vois, tu leur donnes déjà. N'essaie pas de me faire peur. 25, 26 ans tranquille. C'était pas malin de ta part. Je suis désolé, Jess. Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant. Donc peu importe. Eh, je vais me racheter. C'est promis. Attends, ça doit être par là-bas. Non, c'était près de moi, là. Ah bah oui, écoute. À moins que tu aimes ploter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Et vite. Oui, putain, elle est gonflante. Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai ? Voilà. L'homme 1, le feu 0. Très bien joué, bravo. Très bien, ma lady. Et ensuite Je pense que... je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Eh ben, si j'avais su ça avant... Je sais pas, c'est juste que je le sens pas encore. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non. Enfin, non, on va je pas croyais faire savoir bouger. Qui tu étais vraiment, mais apparemment t'es quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ta faute. Jess, tu me plais beaucoup. Peu importe ce que tu crois, donne-moi une chance et je te donnerai ce qu'il te faut. Eh ben, j'apprécie ton assurance. Mike, les volets. Quoi, les volets ? Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Tu sais, il n'y a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon. Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. Des volets d'intérieur, c'est pas magnifique ça. Voilà, les volets sont fermés. Le volet est fermé. Où est-ce qu'on en est ? Une fenêtre sur cinq. Je suis désolée. Désolée, je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et. Quoi ? Tenir bon ? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond. Je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Je pense pas l'avoir déjà fait, c'est indifférent. Oh, arrête. Quoi ? Pas avec moi, fais pas la petite fille complexée et apeurée. Je t'assure que c'est vrai ? Ça m'a l'air compliqué. Eh ben, c'est peut-être parce que je suis compliquée. Super. Quoi ? Je croyais que t'étais... Que t'étais le genre de fille qui a aucun secret pour personne.
Ça veut dire quoi, ça? Que je suis une fille facile? Non, je veux dire... je pensais que t'étais pas compliquée. Oh. Michael... Tu sais que t'es très con. Ah, si seulement tu pouvais être moins mignon. Donc je suis mignon? Viens par ici. Ah. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Oh, tu peux y aller. Je suis tout à toi. Ouais, je suis pas sûr de l'avoir déjà fait. À chaque fois, je reprenais le dialogue. C'est mis toute nue là, enfin en soutien-gorge. Non, pas encore. Oh, j'ai pas réussi. Mike, c'est quoi ça? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite. C'est le téléphone de madame. Téléphone. Quoi? Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est passé par la fenêtre. Oh, bordel de merde, putain! Quoi? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille, et juste quand on commençait à... Son petit haut, tu vois. Vous voulez vraiment nous emmerder? Vous savez quoi? C'est pas possible! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va baiser! Et ouais! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud! Alors profitez-en, parce que je sais que nous, on va bien en profiter! Oh, mais c'est pas vrai! Ben voilà. Donc j'ai pas encore réussi à refaire la scène où il se bécotait sur le canapé. Hein. Putain, j'arrive plus à la refaire cette scène. Les filles ont communiqué avec nous? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elle le fasse ou pas. Ouais. Voilà. Il va falloir qu'on le découvre. Bon, ben moi je vais m'arrêter là, mon petit Z. Je vais te laisser continuer ton batou. Et puis voilà, bah, je te dis à demain soir. Alors demain... Josh avait l'air de vraiment flipper. Certainement Days Gone, hein, par contre, tout de suite. Il semblait essayer de tenir le coup, mais... Il n'y a pas trop de speedy. Ah, c'est pour ça qu'on est revenu ici. Donc voilà, je te souhaite une très bonne nuit. Une très très bonne nuit à toi, Z. Fais un gros dodo. Ah, t'as arrêté aussi. Ça marche. Allez, fais un gros dodo, mon loulou. À demain.